Salut à tous et à toutes, c'est Osirax et donc on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur une nouvelle série comme vous pouvez le voir. Donc là je suis, c'est une vidéo IRL, bon je vais pas me montrer en vrai. Mais donc je vais vous montrer, là on va faire donc la série où est-ce qu'on va ouvrir des boosters. Donc voilà, donc là j'en ai 36 et un en plus. Donc là pour l'instant je vais juste en ouvrir deux et pourquoi pas vous présenter un peu le classeur. Puis après, je pense qu'on les ouvrira 5 par 5. Et donc ça sera soit l'épisode du dimanche et de chaque dimanche. Je sais pas ce que j'ai essayé de chercher. Et donc, d'ailleurs, je voulais faire une vidéo pour vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Là, je crois que c'était mercredi et dimanche. Mais elle arrivera prochainement parce que c'était mon anniversaire, là, le 18. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Voilà, donc on va tout de suite se retrouver pour ouvrir ces deux boosters. C'est parti. Voilà, donc j'ai fini d'ouvrir. Ça m'a pris un tout petit peu de temps parce que je suis un peu mauvais avec les ciseaux. Donc on va tout de suite. J'ai même pas fait exprès, mais là c'est deux boosters Luxray qu'on va ouvrir. Et on va commencer par ouvrir le premier. C'est parti. On va essayer d'avoir des ultras. Hein. Ce serait bien dès la première ouverture. Enfin, je pense pas que ça arriverait, mais ce serait un peu magique, quoi. Hop. Ah, j'arrive même pas à les tirer. Hop. Bon, si je commence à galérer comme ça, c'est sûr que là, elle va se rallonger la vidéo. Voilà. Donc, le code online, je vous le montre pas. Parce que sûrement qu'après je referai des ouvertures online que je filmerai aussi. Alors, hop, 1, 2, 3, 1, 2. Pour mettre la dernière à la fin et donc pour qu'il y ait plus de suspense. Donc attention, on commence par un Misty Gris. Voilà, désolé. Là, ça c'est... désolé, je connais pas trop les noms de mes Pokémon. Non, c'est... Des... Non, Brocéliande, oui c'est ça. J'ai un peu hésité. Oh, je sais même plus son nom, je l'aime pas. C'est voilà, la petite évolution de Miasmax. Hein. Bref. Tritombe. Garnipio. Putain, il faut vraiment que... Oh, Pifeuille, voilà. Oh, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive là. Bon, justement, ça c'est l'évolution de Garnipio qu'on a eu juste avant. Une traîne... Putain. J'ai vu la bonne carte à la fin. Bon, une traîneur. Énergie haut. Donc, nous avons en reverse un magnifique petit Grignote. Et voilà! Première carte, on a Meg, on a Léviator Shiny X, voilà. Bon, premier booster, premier ultra, hein, voilà, qu'est-ce que j'avais dit, qu'on allait avoir des ultras dès le début. Voilà, il n'en reste plus que 4 à avoir, du coup, je crois. Enfin, ça dépend, je sais pas si c'est une des 5... Je sais plus qu'est-ce que je dis. Donc voilà, désolé. Je sais pas si c'est une des 5 secrètes de la collection, mais en tout cas, si c'est une secrète, c'est bien parce que ça veut dire que ça compte pas dans les ultras. Donc hop, voilà. En plus, oui, elle est full art en plus. C'est vraiment pas mal hein, pour premier booster. Bon, alors ça, c'était un booster de cette boîte. Et donc voyons si le booster qui était offert avec le classeur est bon aussi. Hop, le code online. Tac, on va essayer de bien cacher là parce que là je fais une petite connerie. Lixie, Ramolos, Brocéliande, Psychokuok, Coquillas. Ah oui, là c'est en français, c'est pour ça que j'arrivais à lire. Insoulourdo, Luxio, donc évolution de Lixie qu'on a vu juste avant pour ceux qui savent pas. Batrachné, Grindur en reverse et
En rare, on a un Hypnomade, donc Pokémon que j'aime pas forcément. Et donc ben voilà, c'est donc ben, déjà la fin de cette première ouverture. Donc elle était courte, mais sachez qu'elles seront bien plus longues les prochaines, vu que ce sera 5 boosters à ouvrir. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a. Donc là, vous voyez, ça c'est celui que j'ai eu justement. Hop, Léviator. Léviator, sauf que lui là il est en méga évolué. Donc là moi j'ai eu l'évolution juste avant. Hop. Et au dos on a un magnifique méga Cesaiox que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Tiens, on va essayer d'avoir une de ces deux illustrations, ce serait pas mal. Voilà. Donc bah, après à l'intérieur je crois que c'est pas la peine de vous le montrer vu que c'est juste un voilà des trucs pour mettre les cartes. Donc bah voilà, c'est la fin de cette première ouverture. Donc on a déjà eu des très très bonnes cartes dès le premier paquet. Hein, donc avec Léviator, je sais pas, je m'y fais pas là avec le nom anglais. Il va falloir que je révise mes Pokémon un peu. Donc bah voilà, salut, c'était Oserax. Ciao! Voilà, donc re 2 secondes, j'ai juste fait une petite erreur. Donc effectivement, Léviator. Non, pas ce Grignote, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ce Léviator, c'est bien la secrète de la collection. Donc, j'avais même pas fait attention. Et c'est un peu incroyable qu'on l'ait eu dans ces boosters-là, en un seul paquet. Ce booster, je sens vraiment qu'il va être génial. Là, attends, j'essaie de vous faire voir. Hop, ça veut pas. Non, ça vous montre pas, donc il est marqué 123 sur. Ça, là, c'est bon, on le voit. 123 sur 122, donc ça veut dire qu'elle est hors série. Et donc, ben, c'est effectivement bien la secrète. Voilà, bon, ben, je l'ai eu en 2 boosters. Donc, je sens que ça va être vraiment une bonne suite et j'ai hâte de la voir. Allez, ciao!